La paix de Dieu soit avec vous tous. Moi, vraiment content de l'opportunité que moi ai gagnée pour me capable de gravir la chair de cette église, pour me capable de prononcer les paroles, le message de la parole de Dieu. Sœur qui t'a dirigé, dimensionné, fête du drapeau, et Brother Guy se fait un cours d'histoire avec nous-mêmes. Mais je ne peux pas quitter le moment ça passe tout pour moi-même pour ne pas faire part. Parce que je suis porté à Haïti dans le cœur, même Jean avec nous. Et je me demande, même Jean David, et même Jean et Daniel, le thé en captivité à Babylone, l'été viré, fenêtre en direction, projeté regard en direction de Jérusalem. Et dans le moment ça tout. Je vais demander pour nous projeter le regard en direction d'Haïti et nous pouvons rendre notre service. Nous mettons debout pour nous chanter au couplet soldats de Christ et haïtiens. Soldats de Christ et haïtiens, du ciel nous sort. Le citoyen, la parole du Seigneur, nous trouvons le seul vrai bonheur. Sauve Seigneur béni, notre cher Haïti, petite nation, avance vers Sion. À Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi. Sauve Seigneur béni, notre cher Haïti. Merci. Merci en pile, merci en pile, merci en pile. Sans plus tarder, on croit que nous camper nos chita, nous camper nos chita, même pas fait nous camper encore. Nous allons trouver un texte que nous allons méditer sous lien. Nous jouons dans Marc 1er, verset 40 à 42. Nous allons connaître un pile monde qui vient avec la Bible pour nous avoir un petit temps pour être capable de chercher. Sinon, est-ce que mettre commencer à lire? Parce que c'est trois versets. Marc chapitre 1er. Versets 40 à 42. Amen. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Que Dieu daigne bénir cette portion de lecture de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. C'est trois versets saillants que nous sautons lits et c'est à partir de versets ça que nous pourrons trouver titre, message que bon Dieu mettait sous que nous pour nous-mêmes. Et si nous t'as vle bail au titre, n'aprelel, est-ce que, ou même qu'il a assoya, est-ce qu'on t'a aimé que Jésus touche? Est-ce que nous t'a aimé que Jésus touche assoya? Moi, je suis content pour la simple et bonne raison, c'est dans un service de prière, m'gayé chance. Pour me gravir ça pour la première fois, pour me capable porter le message de la parole de Dieu. La prière, il y a en pile importance. La prière, assez souvent, nous dit la prière, c'est clé. Effectivement, la prière, c'est clé. C'est une âme, c'est une âme indispensable pour les chrétiens. Avec la prière, on est capable de faire en pile bagaille. Et Jésus, au cours de son ministère terrestre, il était accordé une place de choix
à la prière. Jésus t'a prié plusieurs côtés. Il t'a prié dans la caille, il t'a prié dans la montagne, il t'a prié en public, il t'a prié en privé. Il t'a prié l'elfine béni, il t'a prié l'elfine délivré. Et même sur la croix, Jésus t'a prié. Pour nous capables de montrer que le fait que vous-même vous venez là, à Soya, pour venir chercher la présence de Dieu, ce n'est pas pour ce réseau, c'est parce que Jésus-Christ qui modèle nous, lui-même, pendant que il était sous terre, il était quitté ça comme exemple. Parce que nous, Dieu lui communiquait avec nous à travers la Bible, mais nous-mêmes, nous communiquions avec Dieu à travers la prière. Et à Potio, pendant que Jésus-Christ t'a enseigné, mais pendant que t'a enseigné, à Potio pas de sorte, il t'a observé. Il t'a observé Jésus. Et il t'a ouais, mais observation, il t'a réalisé que Jésus t'a aimé prier. Il t'a tellement réalisé que Jésus t'a aimé prier. Finalement, Goyoul n'a yo qui dit, Jésus, enseigne-nous à prier. Parce que yo connaît, prière, c'est pas un bagage qu'on capable de jouer à la légère. Prière, c'est pas un bagage qu'on capable de prendre comme ça, comme ça. Fuck ou apprendre. Fuck ou recevoir des instructions. Parce que, ou qu'a dit bagage ou pas, ou qu'a dit des choses. Au lieu que c'est la délivrance qu'on joigne. Et puis c'est la malédiction tout qu'on a attiré. Vous-même. Et Jésus-Christ lui était enseigné à Dieu. Nous connaissons notre Père. Et là-dedans, il dit que ta volonté soit faite. Et votre présence ce soir, une réunion de prière, ça, lui traduit une volonté parce que si vous quittez la caille où vous venez là, c'est parce que tout simplement, vous cherchez un bagage. Vous venez avec les mains vides. Et où t'as aimé retourner avec les mains remplies. Et où t'as aimé on touché de Jésus. Où t'as aimé Jésus touché, par contre, qui parti encore. Où t'as aimé que Jésus touché. Où vini avec requête. Où vini avec des prières d'intercession. Pour intercéder pour le monde. Qu'on connaît soit en Haïti. Ce nous fait ça savamment. Ou vini avec supplication, ou vini tout, pour vini rendre, bon Dieu, action de grâce, pour bien faire que le fait bon. Texte là que nous sommes liant, lui rapporter l'histoire de un lépreux. Lépreux ça, assurément, il était content de parler de Jésus. Parce que même là, la Bible n'a pas dit nous. Ça, mais action que le fait a prouvé nous que il était comme qui chore. Nous allons essayer de dérouler le film dans fait pour ce nous movie que nous y est. Et puis nous allons dérouler le film lépreux. Rencontre que lépreux a fait avec Jésus. Mais pour nous capables de dérouler le film, ça parce que il y a une bagaille qui est très importante. Que nous t'avons signalé pour nous-mêmes. Là, nous pourrons dérouler le film ça, nous pourrons regarder qui geste, qui action, qui fait que les points ça a été fait, qui va permettre nous découvrir secret guérison. Parce que les points n'ont pas paraître comme ça, et puis pour jouer de la guérison. Goût action que le poser, goût que le fait, qu'on geste que le fait. Et c'est à partir de ce geste-là, ou bien de ces gestes, que les jeunes guérison à l'épée. La lèpre, c'est une mauvaise maladie. Gagnez monde qui naît aveugle. Moun nan né, li fait li pa wè. Gagnez monde qui fait, yo pa gagnez bois. Je n'ai pas gagné pied. J'ai deux cousins comme ça, dans la famille. Gagné monde qui fait avec ou maladie. Depuis fait, c'est l'hôpital sous l'hôpital
parents à parler avec elle. Mais au monde ou pas fait lépreux, ou vile lépreux, ou capable de contacter maladie ça. Et ça qui est drôle là-dedans, là, peu importe rang social ou, peu importe situation économique ou, peu importe association que vous faites partie de yo, mais depuis que vous avez la lèpre, ou c'est un monde qui est malheureux. Depuis que vous avez la lèpre, ou c'est un monde qui est misérable. Depuis que vous avez la lèpre, ou c'est un monde qui est rejeté. Depuis que vous avez la lèpre, ou c'est un monde qui est écarté. Depuis que vous avez la lèpre, ou c'est un monde qui n'est pas sociable. Et puis depuis que vous avez la lèpre, tout, ou c'est un monde qui est solitaire. Toute fréquentation, je dis souvent, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais amis. Mais lève la fait toutes amies, écartées, toutes amies, fuir. Question que nous avons posée avec nous, quel que soit le monde qui est malade, son réflexe naturel la Kaili, de pour malade, premier bagage à battre pour chercher, c'est traitement. De pour malade, on chercher quand même qui côté guérir un docteur, qu'on peut consulter pour capable guérir. Nous ne connaissons pas combien de démarches que les points s'arrêtent et entreprendre. Nous ne connaissons pas combien de remèdes naturels, combien de thé. Probablement les points s'arrêtent et contacter Bodegui qui va nous assurer aussi. Peut-être les points s'arrêtent et contacter Sœur Serette qui te bali, you te consol. Mais les plats, pas de jambes passées. Peut-être les points à tout, parce que ça qu'on rivait, même en Haïti, même aux États-Unis, il y a des gens qui toujours bon référence. Ah, mon cher, bon docteur tel côté. Et ça pas nuit, peu importe combien l'argent coûtait, parce que ça qui est important pour vous, c'est la guérison. Ou à dépenser, ou à vendre caillou, parce que vous pourrez le docteur ça pour être capable de jouer la guérison. Probablement, lépreux ça, puisque nous ne pouvons pas dire la Bible, pas spécifier situation sociale, probablement, il était capable de faire tout démarche ça. Et démarche ça, il révélé 20. C'est un groupe d'Akadou, c'est lavez-mains, si à terre. Mais, yon n'a bagay, le map li texte là, le map médité sous lit, c'est attitude, c'est comportement lépreux. Et nous pouvons considérer trois bagay que moi-même, moi, relevé dans le texte là et que moi, je voulais partager avec nous. Et si nous t'aimons que Jésus touche nous à soi, et trois bagailles ça y est, nous pensons, nous croyons, nous sommes sûrs que nous devons prendre en considération. Nous pouvons partir à la découverte pour nous capables de voir qui secret, qui stratégie que les peuples ont utilisé pour être capable de jouer la guérison dans mes seigneurs. Est-ce que nous l'avons, hein? Nous là, hein? Il y a trois considérations à faire. Premièrement, nous te dit probablement les lépreux qui attendaient parler de Jésus. Parce que, geste que le faire, la Bible a dit, un lépreux vint à lui. Il vint à lui. La marche, il approchait beaucoup de Jésus. Première action que le fait, il mettait à genoux. Ça, c'est première action, et nous t'aimer que nous notions. Il mettait à genoux. Se jetant à genoux. Le m'a regardé, me dit, oh, monsieur, pareil, parce que prenez, aussi, n'a parlé avec Haïtien. L'homme est malade. L'homme est même dans l'émergence, si vous mais non. Le docteur a beaucoup de consultants, tout corps gratté, ou nerveux, ou senti, il faut que tu apprennes des filières graves,
parce que douleur dans votre cou, douleur dans corps, ou pas à résister, ou t'as aimé, faut que le docteur a dit ou mot pour vous-même. Et maladie lèvres sont maladies qui provoquent un pile douleur, douleur atroce. Et conséquence lèvres là, que des fois, si vous n'avez pas guéri ou attend, même leur fin guéri ou, ils vont quitter handicap ou qu'on handicap à cause de lèvres là, parce que le manger ou c'est de organes. Alors, où imaginez-vous? Où les preux? La Bible a dit nous combien de temps qu'il y a avec les plats. Ça veut dire que le nombre de temps qu'il y a avec les plats, c'est le nombre de souffrances. Probablement, il n'y a pas qu'à dormir bien. Il t'a voulu coucher. S'il virait à gauche, douleur. S'il virait à droite, douleur. S'il campait, douleur. Nous sommes capables de dire, effectivement, c'est le monde qui est dans une situation difficile. Prophète créole, là, nous, chirons goût, pas jouer. Et moi-même, dans la place de ça, d'apparaître devant Jésus-Christ, connaît. C'est monsieur qui a délivré, t'as dit, Jésus, comment ça passait? Bon, je dis à Dieu pour délivrer. C'est l'attitude ça, que moi-même, et peut-être, en pile de nous, t'es capable de gagner. Mais la première action du lépreux, c'était de se mettre à genoux. Il mettait la genou. Il mettait la genou. L'homme a considéré, il dit, ça c'est aussi d'humilité. Il mettait à genoux son signe, c'est pour son monde qui a demandé pardon. Il mettait à genoux, c'est un signe qui pouvait que reconnaître que la présence d'une autorité et lui reconnaître autorité ça. Il mettait la genou. Il dit, il n'est pas gagné. C'est même Jean, le nous est petit, nous. Pour nous punir, nous dit, allez mettre à genoux. Mais la petite, nous ne connaît. Leur son bagage qui va bon. Il connaît, on va le mettre à genoux. Mais pour le rentrer dans le sentiment, papa avec maman, il va mettre à genoux avant. Et puis finalement, vous n'avez pas l'autre bagaille pour faire. Et vous dites à vous, je vais mettre levé. Et c'est ça. C'est comportement ça. C'est la première attitude que nous trouvons la caille lépreux. Deuxième bagaille que nous venons jouer la caille lépreux. Deuxième geste que lépreux fait. Que vous dites, ah, je ne vais pas porter quand son poubelle toile. Monsieur Sonnet qui compte ça à faire. Il connaît que la chance est là, la chance à prendre et la grande chance lui. Parce que, à partir de ça qu'elle entendait, de ça qu'elle comprend que Jésus a fait, s'il quittait Jésus passé, il n'est pas guéri, et bien pas grand rien qu'à faire guérir encore. Faut jouer toute seule capable, faut jouer tout le monde pour faut jouer toute zèle capable pour capable jouer la guérison. Mais, pour jouer, il faut bien jouer. Si vous pas bien joué, ou pas gagné, ou pas gagné. Il faut bien jouer. Deuxième geste que lépreux a pral fait après que le film mette à genoux, il utilisait un autre gros âme, le ton. On dit souvent que c'est le ton qui fait la chanson. Lépreux a pas utiliser ou ton hautain. Lépreux, pas utiliser ou ton arrogant. Lépreux, pas utiliser ou ton grossier ou ton orageux. Lépreux, pas mettre en colère. L'elle t'a adressé à Jésus. Assez souvent, Nabdil, une fois, Gampil Moun, visiter plusieurs églises. Moi, Gampil Moun qui a prié. Façon même, le ton que vous utilisez, l'air adressé à Jésus, l'air adressé à un être supérieur comme ça, c'est un vous senti que c'est avec Timoun qui est avec vous, il a parlé. Si vous êtes petit, si petit ou a besoin de bagaille, façon que l'adresse à vous là, ou déjà connaît pour balil ou bien pour pas balil. Sous rencontré avec Trump, Obama, Jovenel Moïse, quel que soit votre poste de travail, ou
pas qu'à permettre ou pour parler avec bon sou, n'importe quoi, et pour espérer pour jouer une reste dans mel. Ce n'est pas possible. Ou pas capable de parler avec le monde, n'importe quoi, et pour espérer pour jouer une faveur dans le même. L'épreuve, la Bible a insisté sur lui. Il n'a pas dit parler, il n'a pas dit tout simplement. Il a ajouté du plus dans ton nom. Il dit, elle lui dit de ton suppliant. C'est un coup son monde qui meurtrit. Son monde qui éprouvé. C'est un coup son monde qui presque pas même qu'à parler. Son monde qui. Son. Ton ça que l'utilisait à son signe de respect. Il y a respect pour mon Dieu. Il y a respect pour majesté. Il y a respect pour la toute puissance de Dieu. Son signe de révérence. Et puis tout, son signe de savoir-faire, il y a bonne manière. Parce que premièrement, il mettait la genou. Deuxièmement, qui ça les peut faire, il utilisait un ton suppliant. Car dans Proverbe 15, verset 1er, il dit une parole douce calme la fureur, mais une parole dur excite la colère. Façon que l'épreuve a parlé, ton que l'utiliser pour l'adresser à Jésus. Est-ce que Jésus, pas la même, est-ce que Jésus a montré la colère? Non. Pas de moyen. Pas de moyen là pour Jésus fâché. Bon, même si Jésus-Christ a pris green pour le fâcher, je ne sais pas l'utiliser, hein? Jésus-Christ pas qu'à fâcher. Parce que l'icône est. Qui ça pour le dire? L'utiliser un ton suppliant. L'y pas frapper pied de votre nom. L'y pas lever. Alors, l'y pas lever voile nos façons. Côté que c'est bataille à bataille avec Jésus. Pour Jésus, font bagaille pour lui. L'y garder en dépit de la douleur que le gagne. En dépit de toute douleur qui a ravagé col. Mais le garder calme. Ou capable de comprendre qui est une douleur, et puis la mettre la genou. Nous voulons quoi que c'est parce que tu as perdu la mettre la genou. Mais elle mettait la genou quand même. Ou pas besoin de connaître si c'est. Il doit c'est sous roche qui mettait la genou. Mais elle mettait la genou. Et non seulement ça, il conservait calme. Et puis, pour parler avec Jésus. Et nous, ouais, là nous lit un roi 19, expérience que Élie fait. Il t'attend la présence de l'Éternel. Cyclone n'a pas passé. L'Éternel pas là dedans. Tremblement de terre n'a pas passé. Il pas là dedans. Mais c'était un petit vent tout calme. Et c'est là. L'Éternel, c'est l'attendre l'Éternel. Probablement, monsieur, les présents, probablement le terre, il passe à ça. Il connaît, il a adressé avec autorité. Il connaît qui ton pour l'utiliser, pour l'adresser avec autorité. Troisième geste que monsieur fait, c'est la demande. Nous dit, il mettait la genou, il utilisait un ton, et puis il font demande. Demande-le, mes amis, demande-le, crasse net. Tenez ça. Il dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Amen. En agissant de la sorte, il reconnaît la toute-puissance de Dieu. Il reconnaît que il n'est pas capable. Il n'est pas capable de passer Jésus l'ordre. Il connaît que tout pouvoir nommé Jésus, s'il voulait la faire. C'est pas l'indici si tu le veux. C'est pas douter, non? Parce que naturellement, le fait que le mettez à genoux, le fait que tu te suppliant la fait de maintenant, il connaît ça la fait.
Mais un seul bagage. Jésus-Christ, le t'a enseigné à Portio, comment vous prier, il t'a dit que notre Père, que ta volonté soit faite. Et ça, monsieur, fait là, il plie à la volonté de Dieu. C'est toujours un cadre respect. Les fonds demandent. Mais ça qui est plus intéressant dans le monde là, l'épreuve n'a pas passé par quatre chemins. L'épreuve n'a pas fait la trois. L'épreuve, avec toute calme, là, les droits ton but. Ça, le besoin, l'immanuel. Il n'est pas passé par Stanford, là, les New York, là, les Miami, avant de Jésus, ça, pour le dire là. Parce que la Bible, là, nous on dit, il dit nous dans Matthieu 6, verset 7, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et dans le verset pour finir, il dit, ne leur ressemblez pas, pas semblez-yo, pas copiez-yo. Et les preuves, ça, ils ne peuvent pas agir, ils ne peuvent pas imiter les païens qui t'ont multiplié des paroles sans sens. Paroles qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais c'est des paroles qui puissent rien à revoir avec l'assemblée. Alors que c'est bon Dieu qu'on va prier. C'est bon Dieu, c'est de bon Dieu que on, avec bon Dieu qu'on va parler. Il était utilisé parole qu'il faut dans une situation qu'il faut pour être capable de jouer délivrance que besoin. Et trois gestes ça, trois actions ça que l'épreuve a déposé, il mettait la genou, il utilisait un ton agréable et il connaît les fonds de demande vraiment extraordinaire. Côté que il pliait, il coubait en bas la volonté de Dieu. Et qui c'est un phénomène qui va passer. Ce phénomène extraordinaire, c'est la compassion de Jésus. Mes amis, guédé bagaille. Même si tu es méchant, alors que Jésus-Christ n'est pas méchant, vous comprenez moi? Il y a des façons où on agit à vous. Il y a des choses qui disent, faut que tu tapisses, dis que tu vois, pour ne pas te mouvre, pour ne pas te bouger. Monsieur n'a pas attaqué le lépreux, il n'a pas attaqué la tête de Jésus, il n'a pas attaqué les pieds de Jésus, il n'a pas attaqué les bras de Jésus, il n'a pas attaqué le ventre de Jésus. Il a attaqué le cœur de Jésus. C'est que Jésus y a attaqué. Parce que pour capable éprouver une compassion, fuck, cœur mouve, il brisait le cœur de Jésus, il mouve le cœur de Jésus. Et la Bible a dit, Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha. Est-ce qu'on t'a aimé Jésus touché à soi? Pour Jésus touché, fois Jésus ému de compassion. C'est condition sine qua non qui est capable de permettre à ce que Jésus touché. Le petit tout a plein de corps, il a besoin de bagaille, la bourse, tout, ta vie chérie, papi, mamie. Oh, mais non, la parole. Babali, ou touché. Et puis, Jésus-Christ, ému de compassion. Et puis, il est touché. Non seulement la Bible a dit qu'il est touché, et puis Jésus utilisait la même parole que l'hébreu a dit pour l'opérer miracle-là
sous l'épreuve. Il dit oui. Il dit je le veux. Sois pur. Si tu le veux, tu peux me purifier. Oui, je le veux. Sois pur. C'est compassion ça. Jésus t'étend la main sous l'épreuve et il t'est guéri. Il t'est guéri parce que l'épreuve a te reconnaître l'autorité de Jésus. Il t'est guéri parce que l'épreuve a connaît comment pour adresser à Jésus, au supérieur, au monde qui gagne la clé du séjour des morts. À un monde qui a le pouvoir pour le bâille-ville, qui a le pouvoir pour le reprendre. Et à un monde qui donne nous provision, le nous-mêmes, nous en difficulté, pour nous aller pour côté, pour le capable de délivrer nous. À soya, probablement, ou capable de salva, ou capable de douleur, ou capable ou maladie, ou capable qu'on lèpre. Il y a un droit ou lèpre physique, il y a un droit ou lèpre moral, il y a un droit ou lèpre sentimental. Quel que soit lèpre là, qu'on a gagné, ou capable de vivre avec l'épreuve, si Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier, tu peux me guérir. Et Jean dit là, de façon dit là, Jésus a ému de compassion pour vous-même. Il a touché. Regardez, avant même de finir, il y avait cette femme qui était gagnée, peine de sang, que nous jouons dans Matthieu 20, depuis 12 ans. Il réfléchit, il fait prendre le travail, même j'avais fait les brûlures. Il fait prendre le travail, il dit si tu es touché, parce que, en fait, il est au courant, si tu es touché, que wop l'éternel, ça va me délivrer. Elle font je quand même. Baronne, si ce n'est pas dans le corridor passé, baronne, si c'est au coup d'action, elle fait. Mais il touche que l'homme là, quand même. Et Jésus dit courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Lui-même, femme qui était pète de sang depuis 12 ans, gros démarche, il fait. Il courit pour la toucher, roi Jésus. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas même besoin de courir pour nous toucher. Parce que pendant que nous courons pour nous toucher là, nous pouvons prendre des choses qui sont capables de priver. Et puis nous ne pouvons pas arriver pour nous toucher Rob là. Mais nous n'avons pas même besoin d'aller toucher Rob Jésus. Jésus-Christ même, il pourra le toucher nous. C'est lui-même qui pourra le toucher nous. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas d'obstacle. Il connaît de qui ça nous former. Avec les pas de barrières, l'a touché nous. Et l'a touché nous. L'a guéri nous. L'a purifié nous. Si ou malade, Jésus attend. Il voulait guérir. Il voulait toucher. Mais pour toucher, c'est vous-même. Qui connaît, qui ça pour faire. Si c'est moi-même avec vous, nous t'as supposé adopter attitude, comportement, lépreux, et à partir de ça, parce que la Bible a dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive. Un contingent. Le n'a parlé avec Jésus. Le n'a fait demande nous. En compte comment pour nous adresser nous. Et comme ça, l'Éternel, non seulement l'a guéri nous, l'a voué les pluies de l'arrière-saison pour nous-mêmes. Que la paix de Dieu soit avec nous.